Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour les pronostics de la réunion 1 qui se courra le lundi 25 mars 2024. Il s'agit de Gallo et ça se passe à Fontainebleau. Le terrain sera très souple et nous aurons une corde à gauche. Et parfois des pistes, enfin des courses qui se dérouleront piste ligne droite. On démarre tout de suite avec la course 2, le prix du Rocher Caspeau, avec un départ prévu à 14h30. Cette course se déroule sur 1200 mètres ligne droite. Il y a 7 partants, 28 000 euros d'allocation, c'est une classe 2 pour les 3 ans. Ma sélection sur cette course se portera sur le 5, avec une surprise possible sur le 4. Mon indice de confiance est de 3 sur 5. On enchaîne avec la course 3, le prix de la Dame Jouanne, avec un départ prévu à 15h05. Il s'agit d'une course de classe 3 pour les femelles de 3 ans. 20 000 euros d'allocation, 1 800 mètres à parcourir avec une corde à gauche et 8 partantes se disputent cette course. Ma sélection se portera sur l'as et le 4 avec une surprise possible pour le 6. Mon indice de confiance pour ce pronostic est de 3 sur 5. On poursuit avec la course 4, le prix des Marais. C'est une course de classe 3, handicap catégorie divisée, deuxième épreuve pour les 4 ans et plus, avec une allocation de 20 000 euros, 2 600 mètres à parcourir, avec une corde à gauche et 13 partants se disputent l'arrivée de cette course. Ma sélection se portera donc sur le 9 et le 11. Avec un indice de confiance sur ce pronostic de 3 sur 5. On enchaîne avec la course 5, le prix des roses. Alors, tout de suite, pour information, le 11 de cette course est non partant. Il s'agit d'une course de classe 3, handicap catégorie divisée première épreuve. Pour les 4 ans et plus, 22 000 euros d'allocation, 2 600 mètres à parcourir, corde à gauche, et 13 partants se disputent l'arrivée de cette course. J'ai retenu donc dans ma sélection le 7 avec une surprise possible pour le 5 et le 2. J'affiche un indice de confiance de 2 sur 5 sur ce pronostic. On enchaîne avec la course 7, le prix de l'Empereur Napoléon III, avec un non partant, le 10. Le départ prévu de cette course est à 17h28. C'est une course à réclamer, pour des 3 ans, 19 000 euros d'allocation, 1 200 mètres à parcourir, ligne droite. 12 partants. Petite info que j'ai déjà donnée hier dans la course, dans une des courses, je ne sais plus laquelle. Quand on est sur des courses de ligne droite avec des partants quand même pas nombreux, mais enfin quand même suffisamment, eh bien là, on peut assister à deux pelotons qui se séparent, qui se scindent enfin le peloton qui se scinde en deux. Et qui se rejoignent à l'arrivée. Ça, je vous dis ça, c'est pour essayer de visualiser la course auparavant. Dans cette course, j'ai sélectionné le 1 avec une surprise possible du 12. Mon indice de confiance dans cette course est de 3 sur 5. Et on termine cette réunion par la course 8, le prix de Fontaine-le-Port, avec un départ prévu à 18h10. Un non partant dans cette course, le 808, donc le 8.
Donc, c'est une course de classe 3, handicap divisé deuxième épreuve pour les 4 ans et plus. 27 000 euros d'allocation, 1 200 mètres à parcourir en ligne droite, encore une fois. Et là, on a une course de 18 partants. Donc là, on pourrait bien avoir quand même des deux vrais lots qui se séparent et qui se rejoignent à la fin. Donc, à mon avis, dans cette course, ma sélection se portera sur le 9, le 17 et l'as. L'indice de confiance dans cette course, enfin dans ce pronostic, pardon, sera de 2 sur 5. Il me reste à vous remercier de votre attention et surtout à vous souhaiter bonne chance pour vos jeux. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder et à suivre ces pronostics course à course. Vous noterez que dans cette course, je n'ai pas parlé de la course 6, eh bien tout simplement parce que il y avait un inédit et dont enfin, j'étais incapable de dire avec certitude ce qui allait se passer. Écoutez, il me reste à vous remercier de vos likes, de vos abonnements et de vos interactions avec la chaîne. Merci beaucoup. N'oubliez pas un petit pouce vers le haut. Ceux-là, non, hein, vous les mettez pas. Mais ceux-là, oui. Et puis, écoutez, hein, bonne chance, à bientôt, à demain. Ciao.